Oui, ma soeur, en fait, ici, donc, je vais te raconter le songe. J'étais à Japoma et il y avait des frères et sœurs dans la salle, partout, dehors, partout. Et il y avait la gloire de Dieu, c'est-à-dire, il y avait tellement une nuée dans la pièce que même en creusant le sol, la nuée montait du ciel. Donc il y avait tellement la présence de Dieu. Mais ce que j'ai constaté, donc, vu, après avoir écouté l'enseignement du 11, ce que j'ai compris, donc je ne comprenais pas très bien ce qui se passait. Malgré ça, et le frère Junior disait, voilà, il y a la présence de Dieu, allez prier, 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 prier. Mais ce que j'ai constaté, c'est que les frères mettaient le frère Junior au centre. C'est-à-dire qu'on l'acculait, tout le monde voulait le voir, on le mettait au centre. Donc, au lieu de mettre Jésus au centre, c'est tout le monde qui venait voir mon frère, c'est ci, mon frère, c'est là, mon frère, c'est là. Au lieu d'aller au pied de Jésus, chacun pour faire sa requête, c'est plutôt devant le frère Junior. Et il faisait que dire, allez prier, voilà la pièce, allez prier dedans, allez prier le Seigneur. Et les gens ne faisaient que venir vers lui, venir vers lui. Et à un moment donné, il voulait se sauver, quoi. Il était en train d'aller à la porte pour se sauver. Donc, tellement on lui mettait la pression. C'est-à-dire, c'est l'idolâtrie que j'ai vue là, en fait, que les frères parlaient, que j'ai compris parce que j'ai suivi l'enseignement. Et j'ai vu que, en fait, les frères, tout ça, ils n'ont pas saisi le message. Ils n'ont pas saisi le message. Avec tout ce qui se passe, donc, au lieu d'être focalisés sur le Seigneur, les gens sont plutôt focalisés sur un homme. C'est comme ça qu'on peut tuer un serviteur de Dieu avant le temps, parce que le Seigneur a horreur de l'idolâtrie. Le Seigneur a horreur de cela. C'est vraiment la folie. Avec tout ce que les gens reçoivent, mais les gens ne saisissent pas la pensée du Seigneur, en fait. Et j'ai vraiment peur que beaucoup soient disqualifiés, en fait, à cause de ce genre de choses, en fait. Parce que c'est quand même terrible. C'est-à-dire, ma soeur, même j'ai vu, c'est-à-dire qu'il y avait tellement la gloire de Dieu que même l'air qu'on respirait, c'est-à-dire en perçant le sol, il y a la nuée qui montait. C'est-à-dire que le Seigneur avait purifié l'air. Donc, tout l'air qu'on respirait là, c'était la présence, ça dit que cette terre a été vraiment terrible. Et le frère Junior disait, voilà, regardez la présence de Dieu, regardez comment le Seigneur a purifié l'air. Dans sa présence, priez seulement le Seigneur, priez, c'est lui qui va vous faire du bien. Hein. Priez-le, regardez sa présence, regardez sa présence. Mais jusque-là, les gens ne voulaient pas entendre. Ils couraient toujours vers lui. Et ils cherchaient moyen de se sauver, quoi. C'est un peu ça, quoi.